Ouais, mais il me paraît quand même le peloton. Ils sont, c'est vrai que les Radio Shack sont trois à rouler, mais on voit quand même le peloton pas étiré. On voit quand même, à mon avis, s'est échappé. Les cinq de devant sont très 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 bien partis et je crois que ça va être quand même difficile d'aller les chercher, à moins qu'un coureur très fort à l'arrière puisse sortir dans cette côte de la montagne. Mais à première vue, les cinq de devant continuent leur effort et maintiennent au moins l'écart. Ryder Esiedal. Rachel Wegman. Et puis Racing, que je disais tout à l'heure hypothétiquement, Kounego saurait certainement répondre à une accélération, à une attaque de Esiedal. Et puis Racing, lui, très costaud, qui a réussi à faire la jonction seul, revenir sur les quatre qui s'étaient détachés. Laurent. Laurent, on vous écoute. Oui, oui, le peloton se rapproche, hein, le peloton se rapproche. C'est pas la grosse entente ici dans le groupe de tête. Fabian Beckmann ne roule pas, Kunego n'en fait pas davantage. Et Mathieu Bréchel grimace pas mal avec un peloton qui est revenu à 12 secondes seulement sur le boulevard Champlain. Donc voilà, un peloton qui risque de se regrouper avant la nouvelle et la dernière ascension de la côte de la montagne. Merci Laurent. Tout est à recommencer peut-être tout à l'heure sur la montagne. On se retourne à regarder. Ils sont en train de se saborder. Alors, 4, 5 hommes qui ont renoncé. Effectivement, Wegman n'a pas donné un coup de pédale dans ce groupe. En fait, c'est Ryder Esiedal qui s'est le plus dévoué. Oui, dans ce groupe. Actuellement, c'est lui il va payer le prix peut-être. Ben, on verra. Je sais pas, de toute façon, il n'y a plus le choix. C'est échappé. Ils ont plus que 12 secondes. Ils ont fait très très gros efforts et il n'y a plus le choix. Ryder, c'est lui qui a attaqué. Il espère arriver au pied de la montagne encore avec un petit écart. Et s'il est très très fort, il sait très bien qu'il faut qu'il attaque de nouveau par rapport à Bréchel et Kounego qui sont beaucoup plus rapides que lui. Mais enfin, nous n'en sommes pas là et Ryder est très fort et c'est ce qui fait le suspense. Maintenant, nous allons arriver au pied justement de cette dernière côte de la montagne et je crois que la course, rien n'est joué et tant mieux pour le suspense. Vous savez, ce travail de Team Radio Shack est peut-être à l'intention de Chris Horner aussi. Je parlais de Sergio Paulinho. Chris Horner est rapide et il grimpe bien. On voit tous les équipiers de Ryder, de Carmine, qui sont là à essayer en 5-6e position, essayer de casser un petit peu l'allure malgré tout. Mais l'écart, malheureusement, n'est plus que de 8 secondes au pied de la côte. Voilà la dernière ascension de l'avenue de la montagne. Ryder qui accélère. Ryder qui sera en mesure. Kounego dans sa roue. Oh. Maintenant, Zubeldia qui amène Horner. Leifheimer aussi. Leifheimer est dans la roue. Alors, Kounego, Esiedal, Bréchel, Bekele, Wegman, Racing. Plus que deux hommes attaquent. Kounego, Esiedal en tête de course. Et Ryder qui assiste aussi. Ah, Kounego facile. Il faut revenir à l'avant. Aïe, aïe, aïe. Wegman. À son rythme, revient, parvient à recoller. Les deux Radio Shack sont pratiquement revenus sur Racing et Bréchel. Kounego, Esiedal, Wegman dans cet ordre. Vont-ils parvenir à garder ces quelques hectomètres qu'ils ont. Je pense qu'on aura un dernier kilomètre à haut suspense. Ryder qui se retourne, Ryder qui insiste, qui sait très bien que de toute façon, s'ils pouvaient arriver tous les trois dans la dernière petite côte, ils auraient encore une petite chance de faire cette différence et de pouvoir disputer cette victoire de ce premier Grand Prix de Québec. L'écart augmente de nouveau un petit peu. Ah, ils ont 30 mètres. Scénario rêvé des hommes que l'on avait identifiés comme des candidats possibles à la victoire. Trois hommes qui avaient certainement les caractéristiques pour s'illustrer sur un tel parcours. Esiedal, Wegman, Kounego sont là. Deux hommes de Radio Shack. À ma connaissance, c'était Zubeldia et Horner. Je peux me tromper, mais
Oh, et de toute façon, il y en a un autre. Il y en a un qui s'en va tout seul. C'est Zubelka, peut-être. Ryder, de nouveau, qui tente. Ryder qui va essayer une dernière fois de se défaire des deux autres. Eggman qui lutte. Kunego également, ouais, qui est là. Oui, pour Kunego, ça va. Laurent, vous nous entendez, Laurent? Oui, oui, oui. Toujours trois coureurs en tête. Trois petites secondes d'avance sur le reste du groupe. Un groupe quand même d'une vingtaine d'unités. Alors tout le monde est à l'énergie ici. Il y a le champion olympique qui est là. Il me semble que Peter Sagan également. On en a beaucoup parlé en début de course avec son maillot Liquiga. C'est présent aux avant-postes. Voilà, rien n'est joué. Il y a une accalmie derrière. On se regarde un petit peu. Ça temporise. Et Echdal continue de rouler en tête. Qui fait un gros travail. Boston Hagen est là aussi, Boston Laurent. Nos têtes d'affiche sont au rendez-vous. Exactement, Ryder, Boston Hagen, Sagan, tous les prétendants à la victoire que nous avons cités sont là à quelques 2 km de l'arrivée. Wegman qui fait l'ascension. Ah, Thomas Voeckler! Attaque de Thomas Voeckler! Voeckler à l'extérieur et passé facilement! Oh, oh! Voeckler, derrière, ils vont se regarder. Qui va faire l'effort? Oh, ben, en tout cas, de toute façon, quoi qu'il advienne, Voeckler avait peut-être bluffé cette semaine. Voeckler au kilomètre? Dans ses déclarations, le champion de France, Thomas Voeckler! Vainqueur d'une superbe étape à la bannière de Luchon, qui passe devant le château Frontenac, s'engage dans le dernier kilomètre. Thomas Voeckler a fait un écart gigantesque. Derrière, Voeckler on se regarde. Derrière, on se regarde. Plus personne ne veut faire l'effort. Il est certain que celui qui va faire l'effort est battu. Est-ce que ça va réussir à Thomas? Le champion de France, peut-être vainqueur dans les rues du vieux Québec, Thomas Voeckler. Et toujours. Quelle aisance! Derrière, toujours un petit peu cette petite pause. Personne ne veut faire l'effort pour aller le chercher. Long kilomètre interminable pour cette figure populaire du cyclisme. La coqueluche du Tour de France 2004. Thomas Voeckler qui s'en va vers la victoire. Je pense il est aux 400 mètres maintenant. Au premier Grand Prix de Québec cette semaine, il disait « Nous allons courir pour Cyril Gauthier. Il est l'homme en forme, j'ai eu des ennuis gastriques. Je n'avais plus les jambes au mois d'août. » Thomas Voeckler s'en va vers une victoire complètement inattendue. On a parlé en long et en large de Kunego, Desiedal. Et puis, c'est ce maillot tricolore bleu, blanc, rouge qui va lever les bras tout à l'heure en tant que vainqueur du Grand Prix de Québec. Thomas Voeckler qui passe à l'histoire, inscrit son nom au palmarès de cette course. Oui. Et on est à sa toute première. Thomas! Il ne se trompe pas. Attention, Boston Hagen pour la deuxième place. Boston Hagen, Robert Hessink, Ryder, Esquidal. Voeckler, Boston Hagen. Wrestling et Jedal. Quel podium. Podium magnifique. Et Thomas Voeckler, je sais que c'est un grand ami à vous, Bernard Vallet. Vous lui avez parlé avant la course. Il n'était pas. C'était comme un point d'interrogation quand ouais, vous lui avez parlé. La preuve, c'est un garçon qui en a vu dans la deuxième partie de course. On l'a vu venir en avant, alors que la première partie, il avait toujours resté derrière. C'était un signe. Mais je crois que nous avons eu un final extraordinaire. Extraordinaire avec un suspense jusqu'au bout, jusqu'à 200 mètres de la ligne. Et puis quel podium. Voeckler, Boston Hagen, Wrestling, Edgedal. Un podium rêvé. Il faut dire que Esiedal s'est beaucoup dévoué aussi. Il a payé, il était très fort et il a payé beaucoup de sa personne. Alors une victoire, messieurs, vraiment très sympathique de
Thomas Voeckler qui a été, vous avez vu dans l'entrevue, comme il a été gentil, tout ça, c'est vraiment une victoire. Bernard, je sais que ça vous fait beaucoup plaisir, cette victoire-là. Oui, ben, ça me fait plaisir, bien sûr, mais je crois que moi, je suis surtout ravi par ce final de course. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a pu voir un tel suspense, on a pu voir un rider Ejedal qui a beaucoup payé de sa personne, qui doit être très déçu parce qu'il était très très fort. Quand vous regardez le podium ou quand vous regardez les quatre premiers, Voeckler, Bossenhagen, Jessing et Ejedal, je crois que quand on est organisateur, de quoi être rêvé mieux.